Salut les gens, c'est Tardarin, je suis toujours en compagnie de ma fine équipe avec Katox, WeirdMech et Atemir. Bonsoir les gars. Et salut. On avait fini nos petits tests, et là on s'apprêtait à retourner voir Alphine qui, on l'espère, va mettre une belle tatane à Kaga. Comme c'est moi qui ai du charisme, c'est moi qui avance. Toi qui as du charisme, c'est toi qui va lancer. Après, pris les mesures qui s'imposaient. Attends, il faut que je te guidance la gueule. Ah oui, un petit guidance. Ah, ouais, mais bon, pour l'instant tu es loin. Ouais, j'arrive pas. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches when you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence. The rite has been ended. I will allow you to stay. But consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Helsin. Quel catin. Boum. Veux la tuer? Elle était plus que prête à jeter un enfant en prison, elle était prête à la buter, hein. Vous êtes trop indulgent. Vous êtes trop indulgent, clairement. Ah, y a... non, il n'y a que 4 options, je pensais, avec le slider. Blood will not write bad blood. Allow me to deal with my own. I still have need of her. You will soon see why. But enough of that for now. On va bientôt voir pourquoi, mais en vain. Venez leur rendre un sombre du bosquet. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Oh oui. The journey to Moonrise Towers and all the dangers that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. Bien, donc il faut qu'on aille voir le gars qui va nous récompenser dignement. Attends, viens, on cause à Kaga là. Oh, moi je récupère les compos. Peace. Enjoy it. Merci. Le jeu qui me dit que je peux pinguer des trucs. Donc t'as voulu parler à Kaga? Ouais, elle a dit la paix. Ah, okay, voilà. Il faut Wrath. Mais Wrath, c'est l'intérieur, c'est le black. Ah, c'est oui. C'est le seul, mec d'ailleurs. Qui était raisonnable. Mais c'est le seul. Oh, le seul qui était raisonnable. Tous les autres sont là, genre cassez-vous. Barrez-vous, con de mime. C'est un con de mime. Là, je suis en train de piquer le jardin. Bon, je lui parle. Refaire le jardin. Mais je t'en prie, parle-lui. Je lui parle. Et moi, je t'écoute. No, thanks is not enough. C'est vrai qu'elle est classe l'armée. Bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Oh, ça allait. Bah, au final, ça allait. Pour quelqu'un comme moi, c'est la routine. Pour quelqu'un comme moi, c'est la routine. L'essentiel, c'est qu'Alcine soit sain et sauf. Tu vois, humble, humble. Je suis ici pour la récompense. Fair enough. I should not have underestimated you. And I promised you a reward, didn't I? Oui. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Ooh. Hey, bah. Go, go, go. One two, one two. J'aime bien commencer un épisode par une session de loot. Ouh, hey. Alors c'est le loup, donc il faut trouver le loup. Bon, il est là. Là. Oh, je vous rajoute trompette, trompette du loup. Trompette britannicienne. Bouya. Ensuite
Faut les activer. Moi, je vous laisse faire. Hein. Je... Voilà. Ah, il y a encore un parasite. Est-ce que vous voulez. Non. Bah, vas-y, prends-le. Prends-le. Ah bah, si jamais on est en galère plus tard. Un truc s'appelle chagrin. Un livre. Et une lance. Ah. Ah tiens, c'est pour Arda ça. Bah non, c'est une Marshall Weapon, il pourra pas la. Non, pas. C'est une arme de druide. Tu peux. Pas ça, ce que j'ai trouvé. Ça lui donnera enfin une robe un peu plus spécifique que la robe de merde qu'il a. Ah, ah vas-y, fais péter. Bah elle est déjà dans son inventaire. Alors, robe de l'été, oh, classe d'armure 10. Confère une résistance au type de dégâts suivant, dégâts de froid. Ah, bah pourquoi pas. Hein. Ça donne quoi niveau skin? Oh, oh c'est trop stylé. Oh, est-ce que tu lances Firebolt, c'est bon. Tu ouais. peux me filer deux secondes juste voir la gueule que ça a sur moine, si, ou si c'est la même gueule que toi, ou si ça a une gueule spécifique à moine. Oula. Et hop, pour les amateurs, vous voyez mon personnage okay. avec juste son arbalète devant le caleçon. Ah, je peux pas te la rééquiper automatiquement, je te la mets dans ton inventaire. Ça ne fait rien pour moi. Je te réussis. Bon bah voilà. Je m'attendais à. Les caisses. Hein. Je m'attendais à. Beaucoup. À rien, t'es pas déçu, c'est ça? Bref. Voilà quoi. C'est comme un trésor de druide, c'est pas non plus. Atémir, toi tu veux les bouffer alors les parasites ou je les envoie au camp? Non, on va pas les bouffer. Moi ils sont au campement les miens. C'est dégueulasse. Tu as nuage de dague ou pas, Arda? Je sais plus pourquoi tu veux l'acheter. Non, parce que je viens de t'envoyer par chemin. D'accord. Oh, parchemin de vision dans le noir, ça va se revendre. Hein. Ouais, moi j'ai récupéré des popos pour parler avec les animaux, un truc de résistance au poison, un élixir et des toxines. Ça c'est des trucs qu'on peut vendre, je te les envoie. Je suis en train de récupérer les bouquins là. Ah, Katox était en train de faire exactement la même chose que moi. Je suis déjà passé par là. Il est passé par ici. C'est moi ou t'as vraiment hésité à reprendre la pipe d'Alcine? La c'est quoi moi sur la table, il t'a tout pris sauf un truc. Voilà. Donc c'est fait une pipe d'Alcine. J'ai fait une pipe à Alcine, ouais. Allez, pourquoi vous prenez pas la dague à côté? Quelle dague? Il y avait une dague sur le... à côté du cadavre. Bah je l'ai pas vu. Non, moi je vais être en surbrillance pour aller chouer. Elle va où cette porte de en pierre là derrière là? C'est peut-être l'endroit où on est déjà allé. Ouais, c'était celle où on avait essayé d'ouvrir, enfin on avait essayé d'ouvrir le passage et on n'y arrivait pas, ce qui a été super complexe. Ça nous mène dans la caverne où on avait buté des gobelins. J'ai trouvé un coffre verrouillé. GG. Atémir. De quoi? Comme on dit. Ah j'arrive. Ça fait quoi ça? Kish coming. Tellement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui? Parce que j'ai un coffre qui est fermé. C'est le coffre de Kadga. Kaga. Kaga. Ah. Kogor. Y'a des gens là ou pas? Je peux peut-être les distraire avec une illusion. Bon, sinon moi je les distrais avec ma musique, tu sais. Ça marche aussi. C'est moins cher. Ah, le rite des épines, ça peut être bien ça, non? C'est pas un pare-chaud de. T'es en train de tout looter là? Oui. Yes. Y'a pas de petit profit, les amis. Ah oui, bah c'est surtout que bon, c'est des druides. C'est hein, vrai que je suis toujours Kaga, c'est une menace donc. Bah alors, là-dessus. Donc, c'est surtout que Kaga, je l'aime pas en fait. Avant tout. Non. Ce qui est bien, c'est que Katox le... qui distrait, mais dans notre direction.
Ouais. C'est vrai. Il y avait quoi dans le coffre, du coup? Je sais pas, j'y suis pas allé encore. Elle était ambiancée en plus, Yaga, là. Ah, vous avez pas fait les... Ah, le coffre, le gros coffre, là. Hunt me, grab my tail, shout until my head hurts. No, wait. Je vais tester un truc. Safe. You can stay if you must. C'est débile. Qu'est-ce qu'il y a? Classe de difficulté pour ouvrir le coffre? 10. Bonus total? 10 à 13. De base. Et il le rate. Ah bah j'ai fait 29. Ah oh bah dis donc, c'était dur. Bon après j'ai switché tout l'inventaire juste pour faire ça, mais Et le gros coffre qu'il y a dans la salle principale avec Kaga, tu l'as déjà fait? Ouais. Parce que je le vois ouvert, mais comme s'il y avait encore des objets dedans. Les secrets des druides de l'ombre, j'ai gagné de l'inspiration. C'est quoi ça? Ah, c'est un bouquin ça. C'est un truc qu'il fallait lire, ouais. C'est quoi Wicker's Chess ici? Non, je l'ai pas ouvert encore. Ah mais t'as changé d'apparence Ouais, parce que en gros quand je suis déguisé j'ai un bonus de 1 à 4 au lancer de dés que je fais. D'accord. Donc Et donc il y avait quoi dans le coffre? Bah le truc qui a donné de l'inspiration à Arda. Ah je pensais plus à celui. Et t'as aussi trouvé une note à moitié déchirée. C'est celui qui est où? Celui où je suis Et t'es où? Ah, celui-là blablabla. Ah bah, je sais pas, non ouais. Tu nous le... Que du marais, arbre, rejoignez-moi, seul. Lodan, bon. Non, il y a des gens qui nous voient, là. J'ai besoin d'un catox pour faire vraiment de l'animation, parce que mes illusions, ça suffit pas. Il faut voir s'ils vont reprendre ou pas, parce que... Non, ils ont pris une fois, pas deux. C'est une autre chanson. Vas-y, let's go maintenant. J'ai tout pris. Il y avait. Oh merde. Vas-y. Allez, on se tire. Salut. Tcho les bolos. Ouais, fallait filer plus, hein. Bien. Non, après, c'est bien, on a eu de l'inspi, on a eu de l'XP en plus, hein, en pillant Kaga là. Je crois qu'on s'est bien débrouillé. Est-ce qu'on a encore des trucs à explorer dans cette zone? Je ne pense pas. Ah si, il y a le butin caché des gobelins. Non, il y a rien dedans, je suis allé voir tout à l'heure. C'est vide, on l'a déjà fait. On l'avait déjà récupéré. Donc je propose qu'on se fasse un repos long avant de passer à la séquence suivante, hein, et au prochain chapitre, puisqu'en plus les tiflins veulent venir faire la teuf avec nous à notre camp ce soir. Par contre, il y a un truc qu'on n'avait pas fait, bah. C'était quoi? Trouver Chante Nuit. C'est quoi trouver Chante Nuit? Ouais. Ah moi j'ai faut parler à Zevlor aussi. C'était dans l'ombre terre, on était descendu mais on n'avait pas trouvé l'artefact qu'il fallait trouver. On peut y aller. Hein. On avait fait que le petit temple et après on s'était barré donc. C'est vrai. Bah donc faut. Je serais quand même d'avis de faire un repos long avant ça. Non ma popo de force. Bah oui, bah, mais moi. Sinon on va juste à l'avant-poste Cellunite histoire de voir. Hein. Non mais tu sais très bien comment ça se passe à chaque fois qu'on... Attends, est-ce que t'as vraiment plus de sorts Arda ou... Il me reste 3 sorts de niveau 1 et 1 sort de niveau 3. Bon ça ouais, j'ai très bien. J'ai 2 sorts de niveau 3, j'ai 2 sorts après, de niveau après, 2. Après t'as encore tes charges de Arcane Recovery hein. Non j'ai utilisé ma charge d'Arcane Recovery justement pour récupérer un sort de niveau 3. Je peux prendre un élixir de culture arcanique, confère un emplacement de sort de niveau 1. Bah, sinon... Bon, peut-être pas non plus. Sinon on y va et si vraiment on voit que c'est un peu trop tendu, bah... Ah, oh, moi qui voulais faire la fête avec les tiflins. Bon, allez, ouais. on va dans les tréfonds. On va dans les tréfonds. Jusque là on est tous en parfaite santé quoi, c'est dommage de faire un repos long. Oui mais si on a pas, s'il a pas de ressources et qu'il peut pas taper, c'est dommage. Ah oui, non ça c'est sûr. Mais après le repos court, ah oui dans l'arcane recovery. Bah non, le repos court ça lui donne rien lui. Fallait descendre l'escalier, c'est ça? Bah je vous laisse découvrir. Pourquoi t'as déjà fait toi? Bah ce serait quand même bien que tu passes devant. aïe. Il y a une technique pour éviter ça, mais...
Mais pourquoi tu nous as pas prévenu? Péter la pierre, parce que. Bah, je vais pas vous spoiler. On s'est pris des dégâts dans la gueule comme des gros bolos. Ah oui, bah, je vous laisse découvrir. Je l'ai trouvé. J'avais une pierre, je l'ai éclaté. Voilà. Je vous laisse découvrir. Oh, c'est débloqué, celle de machin. Après, il nous reste un repos court hein, s'il faut. Ah bah il va falloir hein, parce que Atémir et moi on a pris méga cher hein. D'ailleurs c'est cool parce que du coup j'ai perdu toutes mes charges de d'arcane. Je suis où là? Ah ça nous ramène ici, ok. Bon bah il y a plein de trucs à aller looter hein. Ah ça. Un bâton Un corps écrasé. Parfait. Non, moi je t'ai envoyé des outils de crochetage, Arda, désolé. Bah, tu peux t'excuser, oui, mais à la limite, pour ça, je m'en bats les couilles. Hein. De quoi, t'aurais voulu que je te prévienne et que je te dise quoi faire pour éviter de te prendre des dégâts? Oui. Oh, Minotaur. Un autre? Ouais, il est vivant ce coup-ci. Bah, l'autre, il est mort un peu par dépit, quoi. Petit cristal viridien, là, je sais pas ce que c'est. Truc de... Attends, c'est bien. C'est des compos d'Alchi, c'est bien. C'est bien. Et non, pas la barricade. Oh. Pourquoi t'essaies de péter la barricade? Bouge. Oh, bouge. Oh. Ah oui. Ah merde. Qu'est-ce qui se passe? T'as cassé le tonneau d'huile. Ces machins-là, il faut le faire avec. Attends, je vais mettre. Attends quoi? Kaine. Attends, y'a Minotaur qui fait des allers-retours. Non, bah c'est bon. Hein. Pourquoi ça? Aïe, qu'est-ce qui? Aïe, mais qu'est-ce qui tremble? Voilà, ton perso vient de le dire. Je sais pas de what that wasn't the... Oula! Bullet. Ah, bullet. Je suis en discussion là. Ah. Discussion. Oula. Elle a pas l'air rassurée ton elfe hein. Waouh, ouais, merci Captain Obvious. Ouh, mais y'a un truc là-bas, ça a l'air sympa. Oh, faut d'arrêter un petit peu trop loin. Qui c'est que cette chose? C'est pour moi. Use. Oh, elle est belle. Je vais pas tenter la force. Ouais, 15 et je dois avoir un plus. 15 et j'ai que plus 1. Bon bah, let's go! Attends, il peut te guidance, non? Attends, ouais, je te guidance. C'est bon, t'as guidance. Deux. Ah, deux! Wouh! Allez, vas-y, utilise une inspi. Bon, non. Il y en a que deux. Je vais y aller en force, mon gars. Ah, c'est pas ce que t'avais utilisé au départ? Non. C'était religion au départ. Allez, wow, bravo. Allez, le nain il peut se rhabiller, c'est bon. Putain, c'est le roi Arthur. C'est-à-dire que je te laisse juste essayer de te rassurer sur ta virilité. Et vous devenez roi de tous les gaéliques. Et merde. Ah la boulette. Ah bah surtout que si tu finis de la même façon, bon. Alors, Falar à l'uve. Ah en plus c'est une épée longue en finesse, donc c'est tout à fait pour moi. Ah je peux la mettre aussi. Tec-tec. Falar à l'uve mélodie. Et... Représentation plus 1, c'est totalement pour moi. Oh, parfait en fait, c'est une épée de barde. C'est une épée de barde à deux mains. Non, c'est une arme polyvalente, t'es pas obligé de la mettre à deux mains. Ah, je vais retrouver un nouveau tonneau d'huile. Ah, nature ratée, où je me casse. Des trimasques, ils causent la confusion. Bah tu tires dessus. Ah. Sport de trimasque. Bien wesh. Mais en plus il repousse. Ah là.
du coup, il y avait un truc à aller récupérer. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je sais pas, mais je suis à terre grâce à vous et je peux pas me relever. C'est pas grâce à nous, on y est pour rien. C'est... Attends, quoi? Tu m'expliques pourquoi je suis mort? Je crois qu'on a le droit de recharger à ta dernière sauvegarde, hein. Non mais ça fait deux fois, hein. Il est sorti sous tes pieds et ça t'a viré. Ça me fume. Je te hais. Tu es une exécrable personne. C'est le machin qui nous a aussi fait chier un peu plus haut là. Mais il t'avait pas balancé. Par contre, 125 PV le machin. Hein. Oh, mais ça va, on est 4. Défonce. Non, mais parce que t'as pas de sort, hein, c'est pour ça. Au pire, on lui jette le nain et on part en courant en retraite. Oh, on va regarder quelles sont ses faiblesses. Ça, mec, ça s'appelle le karma. Là, bizarrement, ça tombe sur le coin de la gueule, c'est parce que. Hein bon. Les nains et alors, tout. Alors, attends, est-ce que j'ai bien le bon stuff déjà? Oui. Tiens, passe devant. Bon, mais. Non, montre-nous encore ton savoir-faire parce que vraiment, c'était beau. Bon, sérieux, c'est moi qui dois y aller. Et t'as fait comment pour le faire sortir? Moi, je me casse. Immune to knockdown, la base. Et donc, tu fais quoi pour le faire sortir? Bah après, là, si t'enlèves le tour par tour, il sort. Ah, d'accord. Bon, bah vas-y. Par contre, il va sortir, tu vas t'en prendre plein la gueule, là, Weird. Bah oui, mais bon. On va y avoir, hein. Je sors du tour par tour, là? Sérieux? Bah, ouais. ou alors, on passe tous notre tour, mais... Bah allez, vas-y, hein, je sors du tour par tour. Let's go! Ouais, non, c'est bon. Ouais, je suis vivant. Tout va bien. Et moi je suis toujours caché. Alors, à quoi est-ce qu'il est sensible ce petit machin? À rien. Il a aucune résistance. Il est territorial. Il a vision dans le noir. Et il a des attaques d'opportunité. Il a 17 en CA, 19 en force, 21 en constitution. Par contre, 2 en intelligence. Ah, je suis chaud si tu fais ta magie là. Let's go. Leur v'là. Raté, mais merde. Hein. Bah après, il a 17 de AC, hein. En même temps. Ouais, c'est pour ça, je vais lui balancer un truc de... Je vais lui balancer de l'acide pour le calmer un peu. Ah, il a réussi à... sauvegarder sur ça. Alors moi je vais rentrer dans la bataille, bougez pas. Fireball. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Fireball. Non, un trait de feu. Je vais pas gâcher une fireball. Oh, 88% avantage défense. Ouais, allez, vas-y. Coup critique. 10 crit. Alors. Ça lui a rien fait ton acide. Ah merde, ça c'est. Pourtant il est en dessous. Bah je sais pas. Il est toujours à 17. Je sais pas si je suis en l'arme spirituelle là, il est déjà life. Non. T'emmerde pas, il est que level 5 hein. Pour un skip, hein. Ah, c'est dommage, ça. Ah bah, c'est vrai que la potion de vitesse, ça fait du bien. Hein. Parce que je fais avec en combo avec mon truc qui fait des dommages de feu, là, comme c'est toutes les attaques que je fais pendant ce tour-là. Par contre, il a pas l'air de bouger, la bulette. Bah, ah bah. Il doit être bugged, hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le Mulmiri va sauter? Oui. Pourquoi est-ce que... Il a sauté. Pourquoi est-ce que je ne peux pas lui faire une fireball? Parce que... Je sais pas. Bah là tu lui mets un magic missile et il est mort.
Mais je vais pas gâcher un magie de missile. Bah c'est pareil qu'une fireball, non? Non mais en fait je peux pas faire de... Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire d'action? Parce que t'as tiré. Mais d'où j'ai tiré? Bah je sais pas, Ardarin a utilisé une attaque à distance sur boulette. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Ah peut-être, mais c'est ce que t'as fait. Allez, 150 points. Oh, oui. Oh, je peux avoir les closings là, c'est un truc sans armure. Hein? L'armure que tu viens de dropper là, c'est pas une armure. Ah! Alors. C'est bon. Ok, qui veut s'occuper de la nocturnelle? Je vais essayer avec Guidance. Attends, quoi que. Nature, je suis à con. It's been a long day. Oh, c'est stylé! C'est un peu moche, cela dit. Moi en nature, je suis. Ah non, nature, j'ai pas la proficiency. Plus 4 moi en nature. Hop. Faut que je retrouve les bots qui donnaient des trucs sur la rage. T'en as une autre à côté. Hein. Yes. Elles sont sûrement vendeurs, hein, ces bots là. Oui, je pense. Mais je sais plus ce que ça faisait, et comme là, ça me donne un truc avec rage. Attends, je pense que si tu tires dessus, peut-être que ça fait quelque chose. Ouais, parce que. Ouais, voilà. C'était sûr. Rien que le nom Torchel. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Tiamask and Torchstalks. Another combination. Get confused by one, blown up by the other. Tiens, il y a un truc à looter. Oh, un Duergar, c'est des copains de. Copains de Mudmir, ça. Ah, il y a des. Il y a des gens à qui on peut parler là au-dessus. Enfin, des gens. Des gens pignons. Attends, laisse. Non, laisse-moi faire, j'ai plus 4 en nature. Ah, pardon. Bah, attends, il y en a deux autres encore. Ouais, mais là, il y en a gâché deux. Il y en a un que j'ai eu, calmons-nous. Bon, on peut, bon, avant d'aller chez voir les champignons, on peut descendre, on verra. Ah bah, de toute façon, hey, je suis pas mieux, j'ai raté. Ah, je savais pas Guidance. Attends, mais on est où là? Bah, si, tu m'avais mis Guidance. Non, ça, ça me stresse, il y a un endroit où on n'est pas allé là, au début. Oui, mais on va. Ça va aller. Oh, je vois un coffre là-bas. Le champi, tu le récupères ou. Ok, d'accord. Impossible d'y aller, ok. Il y a des trucs là. Arda, tu fais quoi? J'arrive. Je regarde, hein. Moi quand j'ai pas une vue tactique de super haut et super loin, je suis perdu dans des jeux comme ça. Tu peux faire haut? Pas ces champis là, pourquoi ils sont tout voyants? Tu passes en vue tactique. Ouais, mais c'est pas encore assez haut. Ah. Les glowing gems, tu crois qu'on peut les taper? je vais tenter de tirer dessus. C'est toi qui as sauvegardé? Ouais, j'ai juste entendu, je vais tenter de tirer dessus. Il se passe rien, hein. Je voudrais la détruire en fait, mais je prends mon temps. Il reste vraiment un PV, quoi. J'en ai marre. C'est terrible. Oh le... Hey, y'a un truc là. Bon, regardez. Oui, je l'ai pingé tout à l'heure. Ah bah, j'ai gagné un truc. Faut les péter, ça donne des shards de purple fluorite. C'est un petit peu loin. Je peux pas y aller. Oh, l'épée chante une mélodie. Tous les alliés à moins de 6 mètres gagnent un bonus de plus 1 des 4 au jet d'attaque, de sauvegarde, de charisme, de sagesse et d'intelligence. Pendant 5 tours. Une fois par cours repos. Allez. Et c'est super chouette cette arme. Tu veux que je m'en occupe? Peut-être qu'avec ma masse ça ira plus vite. Ah bah sans doute, hein. Et ça donne quoi? Je sais pas, des éclats de fluorite. Tout ça parce que si je mets le coup de marteau, tu vas pas aimer. Après, ça sert à rien, hein. Ça vaut tout de suite 5 PO. Alors, j'ai tellement d'endroits à explorer là-dedans. Partons au nord là. Moi, ça me stresse de laisser des endroits où on n'est pas allé. Allons là. Mais le problème, c'est qu'on va tous les deux au nord, mais pas au même endroit. Non, toi, tu vas à l'ouest là. Oula, moi, j'ai des cadavres. Du loot. Il y avait un marteau. Par contre, c'est un bordel au niveau de la vision en 3D. Ouais. Oh, il y a plein de combos.
Moi je peux toujours aller au nord, hein. Pas vous mais... T'en fais pas, je suis derrière toi. Qu'est-ce que c'est ces trucs là? Ça se ramasse? Oui oui, les amanites ça se ramasse. Ah attends, il y a des trucs. Il y a des mobs là-haut là. Ah bah c'est ouais. Les champis de tout à l'heure là. Ouais mais ils sont en train de me parler. C'est vrai? Ah bah, j'écoute ça. Ouais. Ah, ils pensent qu'on est leurs potes encore. Je suis supposé être qui en fait? The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The sovereign is threatening you. State your purpose. Mec, tu me menaces. Oh, je peux faire. Allez, vas-y. Oh là là, gentil troll, laisse mes compagnons passer leur chemin. C'est exactement ça. Et ça, je m'agresse. Il s'est pris un coup de double mortel. La 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 la. Ah ouais, viens, on va les aider, ils vont peut-être nous filer des quêtes. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Ah, ils doivent trouver des pièces d'or. Cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. Ah, c'est les floods de Halo, ça, je reconnais. Une flèche, une flèche, une flèche. The sovereign. Bon bah là. Ah bah let's go hein, ils sont poussés, c'est nos potes maintenant. Oula. La petite sauvegarde. Fungus and mold glaze the grotesque creature's face and body. Ah mais il te parle aussi, mais tout le monde te parle. Bah il me reparle. Leave this one. Come to me. We must speak. C'était pas lui. C'était pas lui. C'est super raciste quand même. En tout cas, on a trouvé. Ouh. Y'a un. Y'a un vendeur. Y'a un marchand. Oui, y'a un marchand. Y'a un roté des profondeurs aussi. Il y a plein de trucs à looter et à ramasser, mais on n'a pas le droit de les prendre. Katox, tu vas avoir du taf. Quoi? Ouais, le truc de tromperie. Oh. Ah, y'a des trucs à acheter chez elle. Oh. Effectivement, y'a des trucs plutôt pas dégueux. Ah, il y a un marteau. Non, marteau, que c'est un... le marteau, normalement, c'est bon. Ah, le fléau. Ah, le fléau, il est pas pour moi. Mais il est bien. Je mange juste mes merdes parce que j'ai... Comment t'arrives à voir ce qu'il voit? Parce que non, parce que l'objet, je le connais, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ouais. Mais il y a 2-3 trucs, dont une épée à deux mains, Des trucs que je peux pas récupérer parce que c'est considéré comme du bol. Mais laisse ce Katox acheter des trucs par contre, non? Ah mais j'achète rien pour l'instant, je vends juste mes merdes. Ah bah attends, je vais te filer mes merdes alors. Trop tard, c'est fini. Ah putain. Enflure. On peut déverrouiller la porte du gardien. Qu'est-ce que quoi? Je l'ai vu en effet. Regarde ça, je suis entre 11 et 14 en avantage. Et je peux même rajouter ami, tu vois. Ah, et t'as demandé quoi la madame? Non, si, si on avait croisé un gars, un nain qui s'appelle Baleine. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Bouya. Ah, je vois pas les dialogues. My useless husband. Sent him for an errand. It's no surprise he's made a mess of it. C'est le caractère. Ouais. Knock yourself out. But don't come begging for coin if you find him. You try to ransom him to me. C'est bien, non? You'll find yourself skint and stuck with a fat old lout. Ok, donc la porte du gardien.
Ça se crochette ou ça se crochette pas? Ah, ça se crochette. Ouais, attends. Alors, potion de géant, s'il te plaît, et les ongles de géant. Un petit F5, je vous prie. 80 points d'XP, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Bon, j'ai rien fait, moi. Katox, tu peux save, vite fait? Que je crochette là-bas. Et une petite guidance de la part de notre ami Mulmire, à la limite. Ah bah, lock pick impossible. Ah, par contre, on peut... impossible. Je trouve pas ta fille. On peut lui taper dessus. Je trouve pas ta potion de force de géant. Elle est tout en bas normalement. Ah, parce qu'elle en vend pas en ce moment, je sais pas. Ouais, ah, j'ai pas le location, j'ai pas bon le... glorieux. Ah si, force de géant de colis. Ouais. Mais j'ai peur de taper dessus en vrai. J'ai pas le truc pour faire pour déverrouiller les serrures. Arcane lock. Enfin, lock, tu veux dire. Tu veux qu'on essaie de taper dessus ou pas? Bah, je pense qu'on va passer en combat avec les gens si on fait ça, mais on fait. Ouais. Ouais, non. Attendez que j'ai fini mes achats, j'ai pas envie de les refaire et les défaire, ça me saoulerait un peu. Bah surtout qu'il y a d'autres trucs après, je sais plus lesquels, mais... Et l'épée à deux mains, je crois qu'elle est bien, genre garde ou je sais pas quoi. Le truc chagrin, je vire. Le truc des druides, là. 1 des 10 plus 1, on s'en fout. C'est du quoi tu prends? Je prends ça pour envie. Oui, on s'en fout. L'épée à deux mains... Je sais même pas de quoi tu parles. Y'a pas d'épée à deux mains. Ah, j'ai trouvé une saucisse de porc épicée. Bravo. Voilà. Il y a vraiment plein de trucs qu'on peut pas louper, looter, je veux dire. Ah, il y a une madame qui est empoisonnée. Quoi? Tu l'as, niveau 1. Poison du Ergar. T'as fini, non, Katox ou pas encore? Ouais, c'est fini. Tu peux sauvegarder? S'il te plaît. Moi par contre, je te fais chier, je veux bien l'anneau de saut et l'anneau qui fait 2 dégâts d'acide en plus chez la marchande. Bah c'est bon, ils ont pas attaqué. Bah il y a le truc qui était à côté de la porte qui s'est barré quand même. Ça lui a fait peur. Bon, cadavre blafard. Le saut et les dégâts. Alors laissez-moi donc parler à ce cadavre blafard. Non, je le loot avant. Bon, oh, il y a 10 milliards de trucs, j'ai tout pris. Ouais, ça arrive. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Non, non, j'ai... Attends, bah, j'ai récupéré des pare-chaux, hop là. Allez. Qui êtes-vous? Un illusionniste et un tracker. Combat avec mon rival, j'ai attiré un spectateur. Quel est donc ce livre que j'ai trouvé à vos côtés? Le secret du fonctionnement de la forge d'Adamantium. Oh oui. Livre dissimulé par magie. Je l'ai mis dans ton inventaire si jamais. Ok. Qu'est-ce donc cette forge d'Adamantium? Atelier perdu. De Silouviali, les plus belles armes jamais forgées. Ça va m'intéresser quelqu'un, ça. Non, y a pas des biens. Des... Savez-vous où trouver la forge? Ah, j'ai une. Dorne sait, mais ne peut le dire. Plus que savoir qui c'est, Dorne. Le sort se dissipe. Je pense que j'ai un truc pour toi, Atémir. Je t'ai envoyé une capuche. Ça c'est pour Arda. Bah je peux pas. Hein? Non. Ah c'est une légère? Ouais. Ah bah peut-être Katox alors. Nuptiaux des filles. Qu'est-ce que ça fait? Ah, oh, encore une séquence sinon, si bien, vous voulez suivre. Nata, le titre de cet ouvrage s'est affirmé sur sa couverture. Je l'ai mis tout en bas. Oh, merci.
Alors, je vais peut-être avoir besoin d'un petit peu de... d'aide. Ouais, son véritable sujet est tout autre. Investigation. Essayez de voir au-delà de l'illusion. Tu me fais une petite... Attends, t'es où ce que... Ah, t'es là. Non, mais de toute façon, je... Paf, là, c'est bon. Bon, ça va. Je fasse 5, je fais 16. Ça passe. Total 27, réussite. Vous concentrez toutes vos forces et le texte graveleux disparaît devant vos yeux, ce n'était qu'une illusion. Il ne reste plus que des instructions claires, allant à l'essentiel, le secret permettant de forger l'adamantium. Allumez le feu, merci. Waouh. Vais-je gagner un peu d'XP et d'inspiration? Eh bah non. Eh bah non, que dalle. Bravo. Mais j'ai un bouquin à lire pour trouver la forge. Ouais, on verra ça plus tard. Si jamais il y avait une espèce de chèvre là. Où c'est? Bah là, à l'entrée, là. Juste là où on est, là, à côté de toi. Bah, ah ouais. Après, t'as des combos aussi hein, pour faire des potions de grands soins. Je sais pas si vous voulez faire des potions de grands soins, culture arcanique, trucs de focus sans pareil. D'accord. Bon. Potion de vitesse, ah ouais, ça il faut. C'est bien, j'ai appris des nouveaux sorts. Simulacre de vie, bon, on en parlait pendant l'inter-épisode. Tiens, je t'ai envoyé des trucs à Arda, des composants d'alchimie. Je vois ça, quoi. Ouais, faut que je mette ça dans ma pouch. On est censé aller voir un gars, mais il est où? Notamment un gant de géant des collines. Un doigt. Quoi? J'ai trouvé un doigt de géant des collines. Ah oui, ça c'est bon ça. Il disait que ça te plairait. Ah oui. J'ai une huile d'affûtage diluée maintenant. Et dans les potions, je peux faire... bah toujours pas de... Ah, c'est ça le souverain. T'es en train de lui parler, tiens. Ah, c'était lui? Bah oui, il y a marqué souverain dans son prénom. C'est fou, hein. C'est dingue. Moi, je crois que c'était Michel. Je sais pas, il avait la même gueule que les autres, alors pour moi c'était juste un bonhomme quoi. Ouais, non, il est un peu plus coloré quand même. Ouais, on... les autres ils sont verts, lui il est rose. Ouais, il est flashy quand même. En fait, j'ai vu des cadavres, je vous avoue. Attends, tu regardes là? Allez, non, je suis en gnome. Ok, d'accord, le gars il confond les gnomes et les nains, bravo. Super. Mais non, les Duergar, c'est leurs ennemis, j'allais pas me mettre en Duergar. Elle a dit votre espèce. Parce qu'il a dit? On va les buter. Purple swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwergar. The Dwergar seek a gnome. It is a guest. The sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Oh ouais, bah ouais, bien sûr. A Dwergar, choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. Ah yes. Exterminate. Qu'est-ce que c'est? The sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Oops. Magic combined. Oh, on s'en fout. They are yours. You do the circle a service. We will await word. We breathe life into our enemies' flesh. The dead make a fine host for my growing children. La nécrophilie. Ça se fait pas quand on est en vie. Nécromancie. Bah non, là, il vient de dire que c'est pour ses enfants. Hein. Ah, c'est de la passion, ouais. Oh.
Allez, on se casse. On va tuer du nain. Et pas du nain. Attends, il y a d'autres trucs. Déjà, il y a un TP à aller chercher. Il y avait une madame avec qui discuter là. Oui, je suis en train de parler avec. Oula. Là-bas, il y a un autre. Investigation. Si seulement on avait des antidotes. Ah, t'es bon en médecine ? Ça va, j'ai eu plus 3. Un truc s'appelle lui donner l'antitoxine. Bah, allez, vas-y, on va pas faire chier. Allez, tiens, voilà. Hop là. Et comme quoi, on est vraiment des gars bien. Ouais, ouais. On est vraiment des gens bons. Ouais. Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? C'est toujours utile d'avoir des gens qui ont des temps en vous. Ah, allez. Oh, mais non, allez, vas-y, je vais jouer au RPG. Oh, tu as fait mal. No arguments there. Felt like a hook horror was sorting through my guts. Ah bah il est là le collier de Magic Missile. Jamais. Bah oui. Carl's garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Ouais, reposez-vous et dites-moi ce que je peux faire. Oh, la troisième réponse. Moi, je peux vraiment faire le bâtard quoi. Seems you're the helping kind. All right. I need you to rescue my kin. Not charity, mind. We can pay. We're Iron Hand Clan. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Well, est-ce que c'est du drôle? Some dusty temple. It doesn't matter. They'll work my clan to death before they ever get near it. D'accord. Just mining for materials. Nothing unusual. The briefest hesitation, but enough. She's lying. But our work pays well. Help my clan, and we'll make it worth your while. I swear. C'est des gnomes, c'est des voleurs. Tu mens. Je lui dis, tu mens. Allez, vas-y, tu mens. Tu mens. Heureusement que tu n'as pas de charisme. Bah alors, perdu. T'aurais demandé à celui qui en a beaucoup. J'imagine bien. Ah, inspiration. Inspiration. Ouais, allez. Inspiration. Allez, let's go. Natural 20, allez. Ah bah. Fine. It's complicated. But my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? Mais bien sûr qu'on comprend. Et on s'en bat les couilles. Thank you. Only wish I could go with you. But here. Oh. I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwerger ass. I'll mark where I made my escape and wait here, I suppose. Not much choice, eh? Hey. Oh oui, c'est celle que je voulais. C'est celle que je voulais. Oh, allez, let's go. C'est bon, je vais galoper dans tous les sens maintenant. Ah, je me rappelais plus que c'était elle qui les filait. Ah, oh, yes. Ah oui. Ah, je suis plus un homme. But let us observe the customs. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull. The spores connecting mind to mind. Ah, Katox, t'es en train de discuter avec quelqu'un. Ouais, moi j'allais acheter des combos chez l'autre naine. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. C'est mon défaut, trop intelligent. C'est marrant qu'il ait un petit verre dans la tête lui aussi. Bah non, il fait ça par les sports. Ah.
I have only passing familiarity with the surface races. But I found that there is as much to learn from an individual. J'ai bien envie d'ouvrir son coffre à lui. Community. So it is with the Myconids. They live in harmonious unity, but each has a unique personality. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. Une caverne humide et quasiment sans lumière naturelle, c'est pas obligé d'être un endroit désagréable. Oui, bien sûr. Tromperie, je ramasse des champignons afin de les vendre à la surface. Let's go. 10 bonus total plus 10. Ça devrait le faire, à moins que tu fasses un 1 quoi. 18. C'est bon, 28, c'est bon, ça passe. Then you've come to the right place. The hybridization among fungi in this circle is truly unique. Bon, je vais pas faire tous les dialogues parce qu'il va encore parler pendant 30 ans. Ouais. Il a des trucs cool à vendre par contre. Notamment le collier pour Arda. Est-ce qu'il y a moyen de faire F5 que je lui vole son coffre au passage? C'est bien. Tu voulais quoi, le collier? C'est... Quel collier? Hein? Collier de missile magique, ça peut être... Franchement, ça peut être cool, hein. J'ai une tête qui donne... Tu peux me guidance ou pas Ah, mais t'es pas du tout là, Mulmire, c'est ça? Eh non! Bah après, s'il y a que ça, tu te mets en exit mode, j'arrive, je te guidance et paf! Non, c'est bon, j'ai fait 26. T'as servi à rien. Ouais, c'est juste plus 4, hein. Ah, je suis allé acheter des compos pour justement l'alchimie. Ah, vous faites chier. Attends, attends, mais... Attends, j'arrive. Mais non, mais c'est bon, je l'ai ouvert le coffre. En fait, je voudrais juste pouvoir me barrer. Mais pour ça, il faut que je sois comme ça. Voilà. T'es où? Et ensuite... Voilà. Et... Ciao. Alors, qu'est-ce que t'as récupéré d'intéressant? Je sais pas, plein de trucs. Il y avait plein de parchemins. Il y avait plein de parchemins. Il y avait des trucs. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai tout pris. Il y avait des bouquins. Alors, étincelle psychique, projectile magique, sort d'évocation niveau 1. Chaque fois que vous lancez projectile magique, vous tirez un trait de force supplémentaire. Ah bah c'est bien ça. C'est mieux que mon truc pour résister à la mort. Clairement. clairement. Eh bien, tous les sorts que tu m'as envoyés, je les connais déjà. Bah tu peux lui vendre du coup. Bah écoute, je les envoie à Katox hein. Non mais la vente, toi tu peux t'en occuper de faire la vente, c'est à l'achat que ça rapporte plus de thunes quand mais c'est... Mais Katox il y est déjà je pense. Non c'est moi qui y suis. Bah à la limite rends-les-moi, je les vends. Je suis en train de lui vendre des trucs. Attends, what? C'est quoi ce délire? Attends, pourquoi je peux pas ouvrir ta poche d'alchimie? Qu'on peut faire jouer de la musique aux champignons, ils vont venir me rejoindre. Hein? Mais, attends, par contre, si tu touches à ta poche d'alchimie, j'ai l'impression que ça la touche aussi pour moi. À qui tu parles? Arda. J'ai rien, moi. Attends, y'a un truc qui me parle. Allez, il est pas très très beau ce champignoïde. Ah, oh, celui-là, bon, il a 5. Allez, je t'ai foutu des compos là d'alchimie, normalement tu pourras encore faire des compos. Ok, ça marche. Tiens, je t'ai donné un autre doigt de géant aussi. Pour les potions pour Weird.
Tu tires à distance, toi, Katox. Ouais, non, je vais la garder, ça. Ah, on peut avoir un copain champignon. Toi, l'armure moyenne, tu peux pas les porter, hein, Arda. Non. Putain, c'est con. Je peux pas porter d'armure. Putain, et pourtant, tu pourrais... Ah, c'est chiant, parce que les bottes que j'ai, là, qui permettent de courir dans tous les sens, tu pourrais les porter, vu que c'est du tissu. Mais malheureusement, non. Bah si, 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 il peut les mettre. À la place de ses oui, bottes... Oui, mais malheureusement, c'est toi qui les as. Ouais, bah je vais te battre, je te les file, ça sert à rien. Je vais garder les bottes que j'ai, hein, même si c'est de la concentration. Je t'ai filé les bottes de vitesse, Arda. Ok. Qui seront, je pense, mieux que celles que t'as. Oh, c'est génial, t'as gagné un pet. Je me suis fait un copain champignon. Du coup, les bottes. Bottes de rapidité. Ouais, quand même. Attaque multiple, 12 à 52 points de dégâts. Ah oui, bah ça va faire du bien, ça. Et je peux réanimer un cadavre pour qu'il serve en tant que serviteur. Vas-y, il faut que je trouve un cadavre. Bah là, il y a un cadavre, là. Oh, mais c'est à eux. Et alors, marche pas. Je vais le voir un peu plus loin, voir s'il n'y a pas un truc qui peut être intéressant. Ouais, en fait, le collier que tu me donnes, c'est juste une action projectile magique, mais c'est pas, ça augmente pas mon sort de projectile magique à moi. Mais si. Ah ouais? Ça te fait les deux. À chaque fois que tu lances un Magic Missile, tu lances avec un dart en plus. Ah, mais c'est toi ici qui. Putain, ça m'a fait peur. Par contre, je ne sais pas où trouver Katox et compagnie. Ah, je suis avec Katox là. On... Bah... Ah oui, moi, je suis avec le pet de Katox. Je suis perdu. Ouais, c'est un peu le bordel. Ah, attends, c'est bon. Bah, venez là, comme ça on finit la partie droite là. T'es comme ça après on va tranquillement à gauche. Bah, je suis retourné au début là. On a fini leur village, donc faisons la partie droite de la map. Avant de se prendre la question de la partie gauche. J'arrive avec mon armée de péons. Et d'ailleurs, il faudrait que tu récupères ton invoque, Arda, parce qu'elle est au début, en fait. Elle l'a jamais fait venir avec nous. C'est en chemin. Je comprends pas, là, vous êtes parti où? C'est quand j'étais à côté. On a fait tout le tour alors que j'étais juste à côté. Ouais, c'est un peu. Ah, attendez, là il y a un parchemin d'éclatement. Des PO. Là. Allez. Un coffre. Vous allez où? Je sais pas, je suis en. Survival failed. Il doit y avoir un truc enterré là. Alors. Hop. Ah bah il est là le Minotaur, on va pouvoir lui péter la tête. What? Oh merde, putain je l'ai envoyé. Attends, à Katox. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, oh non, qu'est-ce qui se. Ah non. Qu'est-ce qui se passe les gars? Est-ce qu'il est parti lui? C'est le champignon qui m'a fait péter les plombs. Ah, attendez, parce que là on peut monter direct en fait. Ouais, mais y'a un Minotaur. Ouais, y'a un Minotaur. Bah, alors. On va arriver sur le Minotaur. Il a que 84 PV, qu'est-ce que tu t'excites? Ah, initiative 6. Bon, d'accord, c'était pas. Bah, écoute, moi je suis derrière lui, hein. Passe pas ton tour surtout. Bah, attention, parce que là je voulais sauter, mais je vais pas faire ça. Bah, tu peux, je suis là, c'est je bon suis là. Ouais, je suis là.
Pourquoi je peux plus sauter? Bah t'as peut-être, tu t'es peut-être trop déplacé. Ouais. Je vais tenter un truc. Ah mais mince, vous êtes tous montés. Ah mais il y en a deux en fait. Ok. Je vais tenter un truc sur lui alors. Tiens, ça t'apprendra Minotaur de merde. Qu'est-ce que t'as fait? Bah t'as pas vu, il est par terre maintenant. Mais je le vois pas moi surtout, il a disparu. Il est là là, il est là. Ah ouais d'accord, ah super, alors je suis remonté pour finalement redire. Mais tu peux lui sauter sur la mouille maintenant. Bah je vais prendre des dégâts je pense. Ah ça peut être, mais écoute, c'est pas mon problème. Bon, je sais pas si j'ai eu le temps de le taper avant que tu le balances. Bah t'inquiète pas, il est juste là, maintenant tu non, non, mais je veux dire, avec Pell qui était juste à côté. Mais il y en a un autre au pire, c'est pas grave. Non mais ça veut dire, est-ce que j'ai perdu mon tour ou pas? Non mais il y en a un autre juste à côté, c'est ça que je suis en train de te dire. Mais non, j'étais juste à côté, je pouvais lui mettre des dégâts, et si tu l'as balancé juste avant que je le fasse, bah c'est des dégâts qui sont perdus parce que je dois me déplacer, alors j'aurais pu lui en mettre une dans la tronche tout de suite. Sérieux, t'as pris une popo pour ça? Non, pour bah ça, parce qu'il y en a, il y en a un autre à côté en fait. Putain, il lui reste vraiment un PV, j'ai le seum. J'ai le seum, j'ai le seum. Allez! Putain, il est en train de réfléchir. J'ai ramassé les champignons. Putain, ça fait chier que j'ai pas réussi à le finir quoi. Ah, mais pourquoi moi? Oula. Putain, il est sérieux. T'es, il t'a fait 22 quand même l'enculé. Hein. Ouais. Ouais, Pell, en fait, j'ai utilisé mon attaque au moment où t'as bousculé l'autre. Donc ça ne lui a rien fait. Il aurait pu être déjà mort. Ah, ou alors t'as cliqué au mauvais endroit. Ah. Ah bah raté, magnifique. Raté, je vous ai raté. Oh attends, vas-y, attends, l'autre il est parti. Ça n'a aucune résistance, c'est musclé, ça voit dans le noir, ça fait des attaques d'opportunité. Putain, il est passé à travers les deux péons, et il m'a mis un 49 dans la gueule quoi. Enchanté, bonjour. Et l'autre là, il est trop loin pour que je puisse le... Oh là 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 là. Mais je peux tenter ça avec un peu de bol. Ah, je peux peut-être aussi apprendre finalement. Non. J'ai tenté. Attends, ça m'arrange parce que du coup, peut-être que... Mais il est toujours pas mort l'autre Minotaur là? Non, j'ai loupé. T'as même mis un 40 dans la gueule quoi. Alors même bon, full life, il me one shot. Je t'ai aidé, ça ouais. C'est fait. Maintenant... Je suis sauvé. Là, ah, noté 9 movement. C'est n'importe quoi quand même, tu loupes quasiment jamais, c'est... Bah après j'ai plus 7 hein, pour taper hein. Oui alors gars... j'ai plus 8 hein. Non mais il a que 14 de t'armure hein. C'est pas non plus Je vais m'en prendre plein la gueule, voilà. T'es pas mort. Et j'ai pas ma Thunder Wave évidemment, parce que sinon là c'était bon. Non mais après il a plus qu'un PV hein, n'importe quoi c'est bon hein. Bon, peut-être pas au bâton non plus mais... Ah, et tu veux que je fasse quoi? T'as pas un petit spell là? J'ai un malus au corps à corps avec les spells. Et t'as pas des spells que t'as... Le bouc. Je peux lui faire des couleurs d'enceinte pour l'aveugler. Rien. Bah tu Misty Step. Ah mais t'as peut-être plus de spell. Reste toi comme
Ah oui, non, c'est, fait... c'est... Ah ouais. Si, bah tu Misty Step et ensuite tu lui balances un missile magique dans la tronche. Misty Step, mais... je vais me prendre une attaque d'opportunité, hein. Le non, Misty Step, c'est un TP, il n'y a pas de, y a pas d'attaque d'opportunité sur Misty Step. Le missile magique, de toute façon, ça touche à tous les coups, donc il n'y a même pas besoin. Ah mais oui, oui t'as raison, missile magique, ça touche forcément. L'autre, il est mort. Bien joué. Bon, bah, je n'aurais servi strictement à rien. Oh. Oh, vas-y, c'est quoi? C'est une fois par... Oh. J'ai pris de la malachite, un crâne... Oh. Par contre, on l'a pas loot, c'est un peu chiant. Ouais, mais je m'en fous. Non, parce qu'il avait un truc qui était vraiment bien. Bah, tu le looteras une fois qu'il sera mort. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il a raise le Minotaur avec son truc, là. Il a raise? Ouais. Il l'a levé par des morts. Il l'a ressuscité, quoi. Comment ça se fait qu'il était mort? On continue à explorer de là-bas? Ouais, on va explorer par là. Bah, il y a des trucs au nord, encore. Ouais, c'est pour ça, moi, c'est... Par contre, ça fait une heure qu'on y est, les gars, là. Wow, il y a des pièges! Vous voulez finir l'épisode, là? Il y a des pièges, faites très attention. On va, ouais, parce que ça ouvre sur une autre zone, là, je le vois. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce que... vous voulez faire, quoi? Bah, une petite pause! Oh, finissons déjà l'épisode, et puis on verra après. Bon, au moins, je suis mort en haut. Ah, par contre, je peux pas te relever, c'est... Ah, si. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est que ça a cramé les... ça a cramé les cordes. ouais, mais les champis, pas sur les champis, genre là. Ah ouais, non, là. C'est bon, je suis à côté de vous, là. Non, mais pour tes pattes, mais Oh, le Minotaur en mode biboop, là, c'est... Ah, c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez qu'on... Oh putain, par contre, il a pris cher. On va stopper. Ouais, on va s'arrêter ici. Bien, ouais. Et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, ciao. On vous fait des bisous.